L'image qu'on retient de la 46e édition des Césars, l'actrice Corinne Maziero qui se dénude pour dénoncer la situation des intermittents un an après le début de la pandémie. De quoi susciter une réaction assez inédite. 10 parlementaires dénoncent le comportement de l'actrice au point d'avoir signalé au procureur de la République de Paris une exhibition sexuelle, un délit puni d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Qui veut la peau de Roger l'intermittent ? Voilà. Parce que maintenant, on est comme ça, tout nu. Voilà. Moi, ma force, c'est d'être moche et populaire et vulgaire. Parce que vulgaire, c'est qui vient du peuple. Et donc, si ça gêne des gens, bah, posez-vous la question pour que ça vous gêne, messieurs, dames. On sait très bien qui va dire c'est naze et qui va dire c'est bien. Vulgarité, mais bah, ça, tu sais, je fais du théâtre de rue, j'en ai entendu. Des vertes et des pommes mûres. Je leur dis de venir écouter là, ce qui se passe là, de venir écouter la détresse qui vient là, venir écouter les gens qui sont en train de crever la dalle là. Venez. Bonsoir José Dayan. Bonsoir. Créateur et réalisatrice de Capitaine Marlowe. Merci de votre présence. Entre autres. Non mais c'est la raison pour laquelle on vous invite ce soir. Vous n'êtes pas du genre à être au maquillage comme on dit pour réagir à la moindre polémique. Mais sur ce sujet-là, mise au point est nécessaire. Oui, moi, je déteste ces polémiques en général. Mais là, je trouve que je dois venir parce que je connais très bien Corinne Maziero. Évidemment, je tourne avec elle beaucoup. C'est quelqu'un que j'apprécie humainement, que j'aime infiniment, qui est très courageuse, qui est sincère dans ce qu'elle pense. Je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'elle pense et je le lui ai dit. Ceci étant posé... Vous lui avez dit, par exemple... Je lui ai dit, Corinne, tu n'es pas toujours... Ah non, le soir même, non. Mmh. D'abord, je n'ai pas regardé les Césars le soir même. Donc, Mais je ne parle pas des Césars où je ne suis pas d'accord avec elle. En général, je ne suis pas toujours d'accord avec ses prises de position politique radicales. Bon, mais peu importe, je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour parler de moi, je suis là pour parler d'elle. Je trouve innommable les réactions de haine autour de Corinne et de ce qui s'est passé. Parce que, il ne faut pas exagérer, on vit une période d'une violence extrême. Il y a des assassinats, il y a des ados de 12 ans qui s'étripent. On ne sait pas le Covid, les morts, etc., etc. Enfin bon, bref. Et d'un seul coup, il semblerait que le scandale soit parce que Corinne Maziero, sur une scène, s'est habillée en peau d'âne avec un peu de sang et d'un seul coup s'est dénudée. Je trouve ça mais hallucinant. Je pense que ce député que je ne connais pas. Député LR. LR, dont je ne connais pas le nom. Monsieur Aubert. Personne ne connaît son Julien nom. Julien Aubert. A peut-être envie d'avoir une espèce de phare sur lui. Je ne sais pas. Je trouve qu'en tout cas, le phare le rend stupide. Et que ce qu'il a dit est d'une bêtise hallucinante. Enfin, on ne demande pas la prison pour Corinne Maziero et 15 000 euros d'amende en faisant des déclarations aussi hallucinante, parce que je veux dire, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que je suis venue ce soir. Non, alors, je n'ai pas vu les Césars, entre-temps, j'ai vu des images, évidemment, de Corinne. Qu'est-ce qu'elle a fait? Écoutez, quand il y a eu les Molières. Les Molières présentées Sébastien par Nicolas Thierry. Bedos, il y a eu Sébastien Thierry qui s'est entièrement dénudé. Personne n'a demandé à ce qu'il aille en prison, et heureusement. Le fameux député Aubert, quand on lui rappelle cet événement, il dit oui, non, mais il y avait une justification artistique à l'époque, puisque Sébastien Thierry était à l'affiche d'une pièce de théâtre qui s'appelait Deux hommes tout nus. Eh bien, alors justement, quand sur scène il y a deux hommes tout nus, on ne va pas en prison. Quand sur scène des Césars, Corinne Maziero ne va pas en prison. Quand il y a UR, personne n'est allé en prison. Je veux dire. C'est quoi qui dérange? Et en plus de la nudité, c'est la nudité d'une femme et d'une femme normale d'un certain âge, parce que c'est ce qu'elle dit. Il y a un peu trois combats en un. Mais je crois que c'est surtout Corinne au moins, je veux dire. Elle a le courage vraiment d'aller au bout. Elle est jusque boutiste. Bon, moi pour rire, je lui ai offert un jour un gilet jaune très chic de chez Berteille, en disant moi vous serez chic. Bon, voilà. Mais comment voulez-vous? Elle est ce qu'elle est. Mais elle est courageuse. Elle croit à ce qu'elle fait, et humainement, j'ai rarement rencontré quelqu'un aussi humain qu'elle. Mmh. Alors que ces gens, d'un seul coup, s'offusquent, mais c'est à mourir de rire. C'est pour ça que je suis venue. Quand elle dit « ma force, c'est d'être moche et vulgaire, parce que ce qui est vulgaire, c'est ce qui vient du peuple ». Oui, mais là, elle en rajoute, parce qu'à la fois, elle n'est pas moche. Deux, elle n'est pas vulgaire. Trois, elle est beaucoup plus fine qu'on ne peut l'imaginer. Mais elle est excessivement cultivée. Elle a surtout un cœur exceptionnel. Raphaël Glucksmann. Moi, ce qui m'inquiète, c'est en fait le peu
de tolérance qu'on a aujourd'hui à la provocation. C'est-à-dire que là, c'est, en gros, c'est la version de droite de la cancel culture. Quoi. Ce qui les choque, ce n'est pas tellement qu'une femme soit nue. Ce qui les choque, c'est qu'elle soit nue pour exprimer des opinions qui, eux, les choquent. Et donc, il y a comme ça une tendance à vouloir empêcher ce qui vous choque. Et c'est vrai à droite, clairement. C'est vrai aussi parfois à gauche. C'est vrai partout. Et c'est aussi ce culte qui, moi, m'exaspère de la dissolution. À chaque fois qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, au lieu de faire du combat politique, on réclame sa dissolution aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, maintenant, les nouveaux trucs, c'est hashtag dissolution UNEF. Tout le monde veut la dissolution. Mais moi, là, c'est autre chose. Mais voilà, c'est ce que je dis. C'est qu'en fait, on sait plus ce que c'est que la provoque. On sait plus ce que c'est que la caricature. On sait plus ce que c'est que l'action. Mais non, mais si, il y a un truc. Mais vivre en démocratie, c'est accepter de ne pas aimer, accepter d'être choqué, accepter de devoir tolérer des choses qui vous semblent insupportables. Et ça, pour moi, on est en train un peu de le perdre. Quand tous les bords politiques, à chaque fois qu'ils ont un problème, ils réclament la prison, l'amende ou la dissolution. Mais alors, elle est où la démocratie libérale là-dedans ? Bon, réaction des politiques, du gouvernement d'ailleurs, à cette cérémonie. Et vous pourrez réagir dans un instant. Dire que c'est un acte artistique, un peu comme un tableau de Bacon. Oui. Voilà. Un tableau de Bacon pour quand même rappeler qu'il fallait défendre le monde de la culture. On pouvait lire sur ce tableau de Bacon, sur le corps de Corinne, nos cultures, nos futurs, et dans son dos, rends-nous l'argent. Jean, c'est Jean Castex. La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a également réagi après cette cérémonie. On commence par Jean Castex. Voilà, il me semble qu'il y a eu des cérémonies peut-être de meilleure tenue. Est-ce que cette cérémonie a été utile au cinéma français ? Je crois qu'elle n'a pas été utile au cinéma français. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que finalement, le côté meeting politique de cette affaire, je pense, a nuit à l'image du cinéma français. Est-ce que vous voyez l'image que ça a donnée ? Donc, c'est navrant de voir des artistes piétiner leur outil de travail. Je sens que vous voulez réagir. Oui. Moi, je veux réagir parce que, en effet, j'ai pas vu les Césars le soir. J'ai regardé un peu après, quand même, puisque il y avait cette polémique autour de Corinne. Moi, je trouve que toute la soirée des Césars était beaucoup plus vulgaire que Corinne Maziero. Vulgaire à cause de quoi ? À cause des crottes, à cause des machins, à cause des trucs, à cause de tout ça, qui était médiocre. Au moins, elle a fait un coup d'éclat. Il y avait quelques allusions scatologiques. Enfin, il y avait des allusions scatologiques. Plus que scatologiques, sans intérêt. Non, honnêtement, moi qui aime le cinéma, c'est vrai que quand on voit cette cérémonie, on se dit, alors est-ce qu'on aime encore le cinéma ? Cela dit, je dis que Corinne, au moins, est allée au bout. Elle a été jusque boutiste. Et les autres, c'était ni fou ni fa, quoi. Voilà. Bernard moi, vous savez, je suis radicalement modéré. Et donc, toute la soirée m'a choqué, m'a navré, plus exactement. L'exhibition de Corinne Maziero m'a navré. Je l'ai trouvé inutile, je l'ai trouvé superflu, je l'ai trouvé aussi ridicule que tout le reste de la soirée. Quant à l'intervention de M. Aubert, alors là, ça passe le mur du son. Ça passe le mur du son. C'est plus ridicule, c'est grotesque. Et je trouve qu'un pays qui sombre dans le grotesque à ce point, alors qu'il y a tellement de drames, tellement de choses importantes en France, en Europe, dans le monde entier, écoutez, non, ça me fatigue. Vous êtes crevé là, Bernard. Complètement. Il y a des gens qui s'offusquent, mais il y a aussi des soutiens. Corinne Maziero le dit elle-même. Alors ça va, c'est très vaste, le spectre est large. Ça va de l'éditorialiste Claude Askolovitch, avec ce tweet « Cher Corinne Maziero, seuls sont les ceux qui vous conspuent », à l'animateur de Koh-Lanta, Denis Brognard, qui a salué son courage, en passant ce matin par Charline Vonnenecker, qui lui a apporté, elle, son soutien au sens propre et figuré. Tout nu à la télé, on a vu les nénés de Corinne Maziero. Tout nu à la télé, heureusement c'était pas ceux de Roselyne Bachelot. Tout nu à la télé, c'est toujours moins choquant que d'entendre Pascal Pro. Tout nu à la télé, vivement le tour de Bruno Retailleau. À quoi Bruno ? Et voilà. Bruno. Mais elle a montré ses seins. Oui, elle a montré son soutien-gorge et un petit message pour Bruno. I love Bruno. Voilà. Retailleau qui... Mon corps en ruine, dit Corinne Maziero, signifie la ruine de ce qu'on est en train de devenir.
Le monde de la culture est en ruine. José Dayan qui envoie des textos. Je ne sais pas. Oui, oui. Bon, bah alors, je ne sais pas à qui poser cette question. Le monde de la culture est en ruine, c'est ce que vous voulez dire, Corinne Maziero? Mais je vous ai dit, je ne suis pas aussi radicale que Corinne. Je ne pense pas qu'il soit en ruine. Je pense qu'il y a des films qui continuent, qu'il y a des écrivains, qu'il y a des peintres, qu'il y a des musiciens. Enfin, je pense qu'on ne va pas s'écrouler parce qu'il y a eu une soirée assez médiocre. Non, elle parlait de l'épidémie et du manque de soutien et la fermeture des lieux culturels et du théâtre et des cinémas. Je ne pense pas que ce soit en ruine. Je pense que ça se réveillera. Ça se réveillera, Raphaël? J'espère bien que ça se réveillera. Je suis optimiste. Non, mais c'est bien d'être optimiste. Après, ce qui est sûr, c'est que c'est terrible. C'est terrible pour les intermittents du spectacle, c'est terrible pour le monde de la culture, c'est terrible pour les metteurs en scène de théâtre, pour les acteurs de théâtre, pour les costumiers, pour tout le monde. Enfin, il y a un truc comme ça de vie qui s'arrête complètement depuis un an maintenant, enfin, avec une toute petite interruption. Et c'est une catastrophe. C'est une vraie catastrophe. C'est-à-dire qu'on se rend compte que la vie sans ce monde-là, c'est une vie qui n'a plus de sel, quoi. Un mot pour conclure avant de Bien sûr que c'est une catastrophe. Bien sûr que un monde sans culture n'est plus un monde. Mais on rappelle quand même deux choses. Il n'y a pas d'autre pays que la France dans lequel la culture soit aussi soutenue qu'elle l'est chez nous, premièrement. Et deuxièmement, cette catastrophe, elle est provoquée par qui? Par le président de la République? Par un député? Non, elle est provoquée par un virus. Et on n'y peut rien. Et c'est comme ça. Vous restez... Alors, vous restez avec nous. Je ne sais pas qui peut rester parce qu'on est limité en nombre d'invités autour de la table, malheureusement. Je peux partir. Vous voulez partir, José? Mais non, j'ai dit je peux partir. Ah non. Je crois que c'est bon. On ne va pas tirer au sort. En tout cas, c'est l'heure du 5 sur 5 d'Antoine Genton. On va résumer les annonces faites il y a quelques minutes par Jean Castex au cours de cette nouvelle conférence de presse. Et pour les commenter, la députée des Yvelines et présidente déléguée du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, Aurore Berger.